village de Minecraft, toutes les maisons sont catastrophiques et tout le monde est pauvre, excepté un mec, l'homme le plus riche du monde. Bien évidemment, c'est un villageois, un énorme arnaqueur. Et bon, si je dis arnaqueur, c'est parce que la dernière fois, je lui ai donné énormément d'émeraudes. Et au lieu de me donner quelque chose de bien, regardez moi ce qu'il m'a donné, une carotte. Mais c'est quoi cet arnaqueur? Il est sérieux? En plus de ça, il vole dans les maisons des gens la nuit. Oui, même chez moi. Il élimine les autres villageois qui lui font un peu trop concurrence en arnaquant les autres gens. Ce qui fait qu'il est devenu super riche et une maison en émeraude, ainsi qu'un nombre énorme de voitures stylées. Donc bon les mecs, aujourd'hui je me suis équipé pour aller le voler, prendre toutes ces voitures pour ensuite les donner à tout le monde dans le village et pas les garder que pour moi comme lui fait. Et bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon équipement, j'ai préparé une petite cagoule. Car bon, ma toute première technique pour aller essayer de le voler, ça va être de le menacer. J'ai préparé un petit pistolet et je vais devoir lui dire que s'il me passe pas une voiture, je vais le tabasser. Donc bon, à mon avis, avec ça, il va être obligé, mais obligé, de m'en donner au moins une. Ça va être la première qu'on va voler. L'objectif c'est de voler toutes ces voitures aujourd'hui. Et bon les mecs, c'est moi ou c'est lui qui est juste là-bas là? C'est bon, je suis prêt. Oh, pop pop monsieur là. Arrêtez de me parler en villageois, je comprends rien là. Monsieur là, vous êtes tout de suite me donner une voiture au minimum là maintenant tout de suite. Ou sinon je vous tue. Hein? Vas-y, tiens-moi dessus. Wesh, mais il est débile ou quoi? Pourquoi il me dit de lui tirer dessus? Il veut carrément mourir. Bon bah c'est bon, je vais te tirer. Non, non, non les mecs. Oh les mecs, j'ai pas pris de munitions, je suis complètement débile. Mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Hein? Mais t'es vraiment un loser. Bon, maintenant tu vas subir les conséquences. Quoi? Quelles conséquences? Wesh, il est en train de tirer. Ok, il faut que je fuis. C'est pas possible. C'est une catastrophe. Ok, bon du coup c'est bon les mecs. Il m'a perdu de vue, mais là j'ai complètement loupé la première technique. Ok, bon certes la première technique n'a pas marché, mais bon. Ma deuxième méthode va consister à le voler discrètement. Mais bon ça je vais pas vous mentir, je ne vais pas le faire n'importe comment. Car bon, comme vous pouvez le voir, il a un parking rempli de voitures. Mais bon le problème, c'est que regardez-moi ça, il y a 10 milliards de caméras. Donc bon les mecs, il faut que j'aille réfléchir à un petit plan là. Du coup je vais aller directement dans sa base, enfin plutôt dans les alentours, et je vais aller l'observer. Oh, pourquoi pas rentrer dans cette maison là? Ça tombe bien, il y a des fenêtres pour aller observer. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si je passe par là-bas, là, il y aura plein de caméras. Donc c'est peut-être un mauvais plan. Je pourrais peut-être aller voir là. Là où il n'y a pas l'air d'en avoir. Et il y a écrit quoi? Attendez. Garage avec la meilleure voiture de l'histoire. 100 000 émeraudes. Mais c'est quoi cette voiture de malade? Bah attendez, je vais la voler là. Il faut que j'aille m'incruster discrètement dans ce garage. Ok, il y a une caméra là-bas, mais là elle me regarde. Il faut que j'attende qu'elle me regarde plus là. Ok, c'est bon, elle me regarde plus. Oh non, 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 c'est pas possible. La porte elle est fermée. Ok, bon les mecs. Si je vais aller voler la voiture cachée dans ce garage, il faut que j'aille tout d'abord me créer quelque chose qui va me permettre d'ouvrir. J'ai envie de vous dire cette porte. Comme celle-là, j'arrive à l'ouvrir avec un levier. Donc bon, ne vous inquiétez pas, je suis un petit ingénieur. Les mecs, je fais des études en ingénierie. Je sais comment faire. Ah, attendez, c'est bon, je me suis enfermé tout seul comme un débile là. Non, mais sérieusement, j'ai enfermé vraiment dans ma propre maison là, comme un plouc. Bon, bref, c'est pas grave parce que les mecs, je vais pouvoir nous craft un nouvel item complètement cheaté, comme vous allez pouvoir le voir. Puisque boum, ce que j'ai actuellement dans les mains, c'est un petit chapeau en redstone. Qui, maintenant que je l'ai équipé, me permet, si je sneak, d'ouvrir tous les trucs en redstone. Regardez-moi ça, je vais m'accroupir. Et boum, boum, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, c'est une dinguerie. Donc bon, oui, les mecs, c'est complètement cheaté. Par contre, c'est très voyant, il faut que j'enlève. Faut pas que je me fasse repérer. Normalement, en plus, là, le villageois il m'a pas reconnu parce que tout à l'heure j'avais un petit chapeau qui l'empêchait de me reconnaître. Donc, bon, les mecs, j'ai juste plus qu'à me mettre juste à côté de son garage, équiper le chapeau. Et là, les mecs, il faut que j'attende que la caméra tourne. Ok, la caméra tourne. C'est bon. Il faut que la porte s'ouvre. Pourquoi ça s'ouvre pas? Mais quoi, les mecs? C'est quoi ce délire? Pourquoi ça marche pas? Me dis pas que t'as essayé de l'ouvrir. Oh non, il est là. Non, j'essaie de rien faire. Ne regarde pas ce que j'ai sur mon chapeau. C'est juste un chapeau stylé, c'est du Gucci. Mais frérot, me dis pas que t'as essayé d'ouvrir la porte. J'ai installé une cyber protection. Quoi? Bah regarde, là je vais la désactiver. Tu vas voir que ça marche là. Quoi? Oh, ça marchait. Ok mec, c'est bon, je prends sa voiture. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Frérot, je repars avec ta voiture. Non, pourquoi elle passe pas? Oui, elle passe! Mais je vais te tuer! Frérot, je m'en fais avec ta voiture, au revoir! C'est fini pour toi! Let's go, les mecs! Je vais pouvoir tout de suite la ramener directement dans mon garage. Je vais pouvoir la garer juste ici, boum! Mon chapeau a super bien marché! Je comprends pas comment il a fait pour être aussi débile pour me laisser la porte ouverte comme ça, là! Mais non, je suis trop triste, je suis trop bête! Bon, en tout cas, moi, ça me fait une voiture gratuite, let's go! Mais bon, je vais pas m'arrêter là, puisque bon, il a encore plein d'autres voitures! Et bon, du coup, ma troisième technique, ça va être de l'observer! Non, parce que bon, si je veux trouver une petite stratégie, il faut que je l'étudie, les mecs! Faut que je réfléchisse à comment il agit en fait. Donc bon les mecs, je me suis un peu éloigné là. Il faut que je réfléchisse à son comportement. Mais bon là le problème les mecs, c'est qu'il est super loin. Du coup j'entends vraiment rien. Ça se trouve il est en train de donner des renseignements de malade. Du coup bon les mecs, j'ai un plan, je vais me déguiser en villageois moi aussi. Et bon là je vais essayer de me faire ami avec lui. Ok bon du coup les mecs, let's go. Je me suis assez rapproché de lui. Bonjour mon ami le villageois. Bonjour, tu veux acheter une voiture? Non, je veux pas acheter de voiture, moi j'ai pas envie. Mais pourquoi vous avez l'air aussi déprimé monsieur? Tout à l'heure il y a un voleur qui a voler une de mes voitures. Ah franchement c'est super triste. Je suis très embêté par ça. Ça me déprime. Mais vous savez quoi monsieur? J'ai peut-être une idée pour vous en fait.
fait. Vas-y, dis-moi ton idée. Est-ce que t'as déjà entendu parler de la ville Dubaï? Ah oui, moi je rêve d'y aller. Mais j'ai un peu peur de quelque chose, c'est de me faire voler pendant que j'y vais. Ah bah c'est sûr qu'avec autant de voitures comme ça là, ça risque d'attirer les voleurs. Mais bon, je te propose un petit truc. Je te laisse aller à Dubaï. En échange, je garde tes voitures et tu me donnes 10 émeraudes. Mais comment je peux te faire confiance? Mais frérot, je suis un villageois comme toi, j'ai envie de te dire. J'ai aucune raison de te voler. C'est les humains les voleurs. Mais toi t'es vraiment un villageois? Mais bah oui. Dans ce cas, passe-moi des émeraudes. Mais non frérot, je suis un villageois pauvre, t'as rien compris. Ok, j'ai une question. À ton avis, quelle est la couleur préférée des villageois? C'est le vert. C'est le vert, mais c'est évident. Le vert comme les émeraudes, moi je rêve de ça tout le temps. Mais pourquoi tu stresses? Je te dis que je suis un villageois, arrête d'être bizarre, il t'a juste à regarder mon physique. Bon vas-y, c'est quoi? Tiens, je laisse le garage, je vais aller à Dubaï. Let's go. Merci, merci de m'avoir fait confiance. Bon ok, du coup let's go les mecs. Maintenant qu'il est parti, j'ai pour essayer de cambrioler toutes ces voitures. Donc bon, j'ai plus qu'à les démarrer. Oh, regardez-moi ça là-bas, il est en train de partir. Oula, par contre j'ai peut-être pas pris la meilleure voiture là, il galère à démarrer celle-là. Ouais, j'ai une voiture cassée ou quoi? J'arrive pas à la démarrer. Bon tant pis pour celle-là les mecs, on va en prendre une autre. Ah c'est bon, celle-là elle démarre au moins. Je vais pouvoir aller la ramener directement dans ma maison, let's go. Aïe aïe, je viens de faire un petit accident là. Je suis vraiment pas doué, j'ai foncé sur un arbre. Oh là, mais c'est quoi ces routes là aussi dans la ville? Oh mon dieu. Non mais j'ai encore fait un accident, j'ai cogné un mur. À ce rythme-là, il aura plus de voiture, mais ce sera pas parce que je les aurais volées, ce sera parce qu'elles seront toutes cassées. En tout cas, let's go les mecs, j'en ai ramené une dans ma maison. Je vais pouvoir tout de suite aller en ramener une petite deuxième. Ah, je suis enfin arrivé à Dubaï. Mais je suis débile, j'aurais dû aller en voiture. Bon, en tout cas, le nombre de bâtiments, c'est incroyable. Je vais visiter un monument. Hein? Mais j'ai une notification de mes voitures. Je suis en train de me faire voler. Faut vite que j'aille les récupérer. Allez, let's go, les mecs. Je vais pouvoir en prendre une deuxième. Je vais pouvoir en prendre une petite deuxième. Alors, bon, déjà, pas la verte. Elle est horrible. Alors, ouf. Oh, elle a l'air d'être puissant ce camion là. Je vais pouvoir aller le ramener directement vers chez moi. Et ouais, je vois. Oh, mais c'est quoi ce villageois là? Qu'est-ce que tu fais? Oh non, les mecs, c'est le villageois en question. Qu'est-ce que tu fais avec mes voitures? Non, je faisais rien du tout, j'étais en train de la déplacer parce qu'un mec attendait de la voler. Arrête de mentir, avec tuer. Ok, c'est bon les mecs, je fuis, c'est pas possible. J'ai m'éloigné de lui. Bon, ok, du coup les mecs, c'est bon, j'ai enlevé mon équipement. Je me suis fait cramer de manière totalement débile en fait, c'était les caméras. En tout cas, c'était sûr, il allait me repérer en 2 secondes comme ça, comment je l'ai pas remarqué? Mais bon, du coup les mecs, c'était peut-être un flop cette technique. Mais déjà, au moins j'ai récupéré une petite voiture. Et en plus de ça, je pourrais utiliser ce que je viens d'apprendre pour ma prochaine technique. Puisque oui, je viens d'apprendre qu'il kiffe Dubaï. Donc bon, je pourrais y aller et aller peut-être visiter pour voir s'il y a pas un truc dans lequel je pourrais l'arnaquer là-bas sans qu'il me remarque, bien évidemment. Ok, c'est bon les mecs. Bon, je vais arriver. Je suis bête, moi aussi. Pourquoi j'ai pas pris de voiture? Faut y aller, ça aurait été peut-être un peu plus rapide, on va pas se mentir. Mais bon, en tout cas, c'est bon. Là, je viens d'arriver et visiblement, il y a plein de petits bâtiments. Mais bon, je vois pas comment je peux l'arnaquer avec un petit bâtiment comme ça là. Mais bon, visiblement, les mecs, regardez-moi ça, il y a un petit hôtel. Et bon, ça pourrait peut-être me servir. Puisque bon, ça a l'air d'être un petit peu un hôtel abandonné. Je vais pas vous mentir, il y a personne à l'accueil. C'est quoi cet hôtel pourri là? Bon, à part ça, sinon tout a l'air bourré. Il y a l'air d'avoir des chambres de partout. Donc bon, les mecs, j'ai peut-être un nouveau plan là. Actuellement, vous allez voir, il faut déjà que je le ramène jusqu'ici là. Donc bon les mecs, j'ai actuellement d'écrire un petit livre qui est en fait une petite invitation à venir dormir à Business Bay Hotel. C'est bien évidemment le nom de l'hôtel, gratuitement, car vous êtes le plus riche. Donc bon les mecs, c'est bon, je vais écrire le livre. C'est un peu débile en vrai le raisonnement. Normalement si c'est le plus riche, c'est lui qui peut le payer en fait justement. Pourquoi ça serait gratuit pour lui? C'est pas logique. En tout cas du coup, je vais pouvoir déposer ça juste devant chez lui les mecs. J'ouvre la porte et boum, on balance ça devant. Maintenant la suivante étape de mon plan, elle est hyper simple. Il va falloir que je m'habille déjà un petit peu mieux. Du coup bon les mecs, je me suis habillé un minimum en mode classe. J'ai bien petit costard. Parce qu'en gros les mecs, je vais me mettre à l'intérieur du magasin et je vais me faire passer pour quelqu'un qui travaille ici. Mais bon, vous allez voir, c'est que le début de mon plan. Hein? C'est quoi cette lettre? Une invitation? Invitation à dormir à Business Bay Hotel à Dubaï gratuitement car vous êtes le plus riche. Oh! Mais comment je vais garder mes voitures? Bah ok, mes caméras me diront s'il y a un problème de toute façon. Vous savez quoi? J'y vais. Oh là les mecs, c'est bon là, c'est bon, il prend de plomb là. Quand est-ce qu'il vient là? C'est une invitation à venir gratuitement. Pourquoi il vient pas? Tout le monde aurait fait ça. Oh, il est là les mecs. Ah, c'est ici. Bonjour monsieur, bonjour. Monsieur. Bonjour monsieur, j'ai eu une invitation pour dormir dans cet hôtel gratuitement. Oui, c'est vrai. Oh non les mecs là, ça, mon plan marche pas, fallait qu'il vienne en voiture. J'allais lui proposer d'aller la garer pour lui et j'allais lui voler en fait. Mais s'il vient sans voiture, c'est une catastrophe. Non monsieur, il faut que vous veniez avec une voiture, sinon ça marche pas. Hein? Mais c'est pas précisé dans le contrat. Bah écoutez monsieur, déjà qu'on vous offre un truc gratuitement là, vous allez pas vous plaindre quand même. Je vais vous envoyer mes avocats. Mais quoi? Mais attendez, on vous offre un truc et vous vous plaignez, vous êtes sérieux? Bon, vous savez quoi, je vous écoute. Mais me prenez pas pour un débile monsieur, je vais aller chercher ma voiture. Non, mais attendez, mec, ça a aucun sens, on lui offre une journée à l'hôtel, pourquoi il se plaint? C'est ça les riches. Mais c'est pas normal. Bon certes, en réalité c'est fait ça uniquement pour lui voler sa voiture. Mais ça, il est pas censé le savoir ça. Ok, c'est bon les mecs, il arrive en voiture, c'est bon, c'est pour lui voler. Ok monsieur, attendez. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur là, vous êtes au courant que vous venez de vous garer dans une place handicapée? Attendez, c'est qu'on est interdit là. Ah oui, pardon, excusez-moi. Vous inquiétez pas monsieur, vous inquiétez pas. Passez-moi les clés de la voiture, là je vais m'occuper de la garer sérieusement. Ça c'est un truc gratuit qu'on vous offre à l'hôtel, vous inquiétez pas, c'est cool. Ok, d'accord, merci. Ah merci, vous inquiétez pas. Je vais bien en servir. Boum! Vous pouvez rentrer, vous
pouvez rentrer à l'intérieur de l'hôtel et vous installer dans votre chambre, hein, vous inquiétez pas. Allez, let's go. Je vais en faire avec sa voiture. Oh, c'est pas ce gros camion là qu'il a pris là. Pourquoi il est venu avec un camtar? En tout cas, je vais pouvoir ramener ça chez moi. Et voilà, franchement, les mecs, force à lui, hein. Je sais pas comment il va faire, hein. Ah, il est vraiment cool cet hôtel. Mais je vais aller prendre un peu l'air, je vais sortir un peu. Attends, mais elle est où ma voiture? Il est parti avec ou quoi, le malade? Mais il est sérieux? Mais il est où? Let's go, les mecs, je l'ai encore volé. Bon là certes il y a peut-être risqué de s'en rendre compte, mais ça marche les mecs, ça marche. Mais bon du coup les mecs, maintenant que j'ai réussi sa technique, je peux vous dire je suis devenu un petit peu à court d'idées là. Donc bon, je pense qu'on va pouvoir revenir sur les bases. Je vais aller l'observer, mais bon, je vais pas vous mentir, si je repars en équipement de villageois là pour aller l'espionner, il va totalement me cramer. Ça va être pas de chicken quoi, ça va être une catastrophe. Mais bon du coup les mecs, je connais peut-être une petite technique pour aller l'observer sans me faire cramer. Elle consiste à faire une petite invocation, j'ai envie de vous dire. Pour faire ça, il faut mettre un œuf de dragon, des roses de wither à côté, puis balancer un crâne de wither squelette pile au milieu. Et voilà les mecs, let's go, regardez-moi ce que ça fait. Ça fait spawn cette petite épée toute noire ultra flippante. Et cette petite épée toute noire ultra flippante, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous permet de devenir un fantôme. Un fantôme qui terrorise absolument tout le monde. Et bon les mecs, à chaque fois que je retire cette épée de ma main, je ne le suis plus, comme vous pouvez le voir. Et bon, à mon avis, si je suis un fantôme, il risque de pas me voir. Je vais donc pouvoir l'observer et l'écouter. Ok, bon du coup, let's go les mecs, il faut que j'aille m'incruster discrètement dans sa base. C'est pas où il est passé le villageois. Mais bon, je pense que ça va être le bon moment de me transformer en fantôme pour pouvoir rentrer directement dans sa maison sans qu'il me remarque. Let's go les mecs. What? Ah non non non, je vois rien, je vois rien. Y a pas du tout de fantôme chez moi, y a rien. Par contre, je me fais sacrément voler durant ces derniers jours. Let's go les mecs, ça a marché. Il sait pas que je suis là. Heureusement que personne ne sait que j'ai caché mes plus belles voitures dans le sud de la ville. Dans le sud de la ville? Oui oui, dans le sud de la ville. Bah c'est un grand bâtiment blanc. Moi j'irais cambrioler si j'étais un voleur. Ce serait ouf qu'un voleur m'écoute. Surtout que je suis seul dans cette maison. Let's go les mecs, let's go. Il sait pas que je l'écoute. Let's go les mecs. J'ai pas compris pourquoi il a commencé à donner toutes ces informations directement là. Mais il est complètement débile ou c'est moi là? Bon, en tout cas, je vais pouvoir directement aller dans la zone. Ok, let's go les mecs. Je me dirige tout droit directement vers le sud de la ville. En gros, il y a pas grand chose. Oh, excepté ça. C'est quoi cette maison de malade? Bon, en vrai, j'abuse peut-être un peu en réalité. Ouf, oula, là il a la lave. Faut faire très gaffe. Mais bon, à mon avis, il doit aller cacher peut-être ses voitures à l'intérieur. Il avait dit. Il y a des caméras. En tout cas, j'espère qu'il va pas me voir. En tout cas, ça a l'air plutôt simple de rentrer dans cette maison. Il faut juste faire un petit jeu. Mais bon, les petits jumps, ça, je suis vraiment bon. C'est quoi cette horreur? Ah, mais d'accord, je suis bon quand c'est jump facile. Mais là, c'est jump impossible. Qui va réussir à faire ça? Sérieusement, faut vraiment que je réussisse à faire ces jumps là. Oh mon dieu. Bon, ok, les mecs, ma tâche va peut-être être très compliquée finalement. Comment je peux faire? Mais comment je peux faire? Il faut vraiment que j'arrive. Non, mais attends, mais c'est un plan pour me tuer en fait ce qu'il a fait là. Bon, vous savez quoi? Attendez, je vais aller voir jusqu'à où mène ce petit jump. Ok, il mène jusqu'au haut de la maison. Bon, bah, vous savez quoi, les mecs, on va faire la méthode à l'ancienne là. Je vais aller récupérer des blocs et je vais monter par moi-même. Mais oui, les mecs, à quoi ça me sert en fait de suivre sa méthode de faire son jump? Rien du tout. Donc bon, let's go les mecs, j'ai récupéré des blocs, je vais pouvoir monter. Et bon, une fois que je vais tout en haut, boum, je vais pouvoir rentrer dans sa maison. Oui, regardez-moi, ça y est, l'entrée. Ok, let's go. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a pas de voiture visiblement. Attendez, c'est quoi cette maison pourrie là? Oh, je vais faire naquer ou quoi là? Chez, il y a rien ici, il fallait juste sauter dans la lave. Oh non, mais dis pas qu'il fallait juste sauter dans la lave à l'entrée, que les voitures sont cachées là-bas là. Mais c'est quoi ce sérieux là? J'ai juste perdu mon temps en fait. Heureusement que j'ai pas fait le jump, j'aurais pété un plomb à la fin. Du coup, juste à sauter dans cette lave, mais j'ai peur que c'est un piège en fait. Attendez. Ouais, je le tente. Oh oui, c'est pas un piège. Oh oui, c'est pas un piège. Ah si, c'est un piège un peu quand même. Oh, la lave, elle a commencé à me tuer, mais juste à la fin là. Mais attendez, sinon d'ailleurs, je remarquais là, on est pas du tout dans une zone avec des voitures là. Tu t'es encore une fois fait avoir. Ah, il y avait vraiment rien ici. Par contre, je t'ai volé toutes tes voitures. Quoi? Je vais me faire piéger comme un débile. Ah non, mais c'était sûr. C'était sûr qu'il me voyait. Regardez-moi ça, les mecs. Je viens de remarquer, mais en fait, on me voit. On voit que je suis un fantôme tout noir. Il a dû comprendre que j'étais un voleur et il m'a donné une fausse indication en faisant exprès. Et bon, là, les mecs, du coup, j'ai aucun moyen de m'échapper là. Vous savez quoi, les mecs, je triche. Si dans les 10 prochaines secondes, je gagne 500 abonnés, je peux me téléporter directement dans son garage et voler des voitures. Par contre, si dans les 10 prochaines secondes, je gagne pas les 500 abonnés, je pourrais rien faire. Et ce sera la fin de la vidéo. Donc, par pitié, abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, il reste que 10 secondes. Là, j'ai besoin de gagner les abonnés, les mecs. Ceux qui sont pas encore abonnés, vous êtes sérieux là? Par pitié, je vous le demande qu'une fois. C'est maintenant. Allez, c'est maintenant ou jamais. Mais vous dites pas que vous avez la flemme. Il faut que je réussisse cette vidéo. Oh, les mecs, je suis réapparu dans son garage. Bon, attendez, c'est bon. Il a plus de voitures que tout à l'heure. Oh mon dieu, il est là. Oh mon dieu, il est là. Je prends une voiture. Faut que je m'enfuis. Faut que je m'enfuis. Mais attendez. Hey, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Oh, oh, j'y vais, les mecs. J'y vais. Au revoir. J'ai cambriolé sa voiture. Oh non, mais il essaie encore de me tirer dessus. Mais attends, mais il est trop nul. On est d'accord. Ça fait 10 fois qu'il essaie de me tirer dessus. Il fait que de se louper. Et what? Je me suis vraiment fait voler mes voitures. Il était sérieux. Comment il a fait pour savoir que c'était moi? Oh non, j'ai trop le seum. Bon, vous savez quoi, les mecs? Là, il m'a peut-être eu. Mais c'est bon, je vais me venger tout de suite. Par une vengeance qui va lui faire vraiment mal. Puisqu'il volait plein de voitures en même temps. Puisque bon, les mecs, à l'étage, je possède une voiture complètement cheatée. J'espère qu'il me l'a pas volée. Oui, il me l'a pas volée.
Bon, là, comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être une voiture tout à fait normale. Sauf que non, en réalité, pas du tout. Regardez-moi ça, je vais aller essayer de la ramener déjà. Vous allez voir, il va falloir que je me ramène juste à côté du villageois. Donc, bon, déjà, la voiture, elle tremble un peu, on va pas se mentir. Mais bon, ça, c'est un peu normal. C'est une voiture qui est pas faite pour les routes de base. Mais bon, regardez-moi ça, il y a le villageois là. Bonjour, le villageois. Hey, tu fais quoi encore devant chez moi? J'ai dit de plus revenir. Mais t'inquiète pas, mon frérot. T'inquiète pas, j'appuie juste sur un petit bouton là. Hop, voilà. Viens tout de suite. Je vais te cambrioler. Tu vas directement dans ma voiture. Et voilà. Hein? C'est quoi cette voiture? Mais mon frérot, tu vas voir, tu vois. Je t'emmène vers un endroit cool. Alors. Lâche-moi ton truc. Tu peux pas t'échapper, mon frérot. T'es bloqué là. Tu vas voir. T'inquiète pas, arrête de stresser. Je sens que tu stresses là. Oh, regarde. La prochaine fois que tu me lâches, je vais défoncer. T'es sûr? Ok, bon, j'allais juste te faire un petit truc cool, mais tu vas voir. Alors, ok, bon, bah, dans ce cas, on va retourner vers ta maison. Tu vas voir. Attends deux secondes. Tu fais quoi? Tu vas voir. Tu vois ton cool garage. Il a l'air cool ton garage. Je vais appuyer sur un petit bouton là. Attends deux secondes. Alors, regarde ce que j'ai ajouté devant ma voiture là. Regarde ce que j'ai ajouté. Hein? Une déchiqueteuse. Arrête tout de suite. Arrête. Ça passe quoi? Arrête de détruire ma maison. Arrête. C'est bon, je désactive. Bon, voilà. Il y a plus le truc pour détruire ta maison. Par contre, là, je vais faire ce que je voulais faire depuis le début. Et tu vas voir, c'est quelque chose de plutôt cool, franchement. Mais lâche-moi. Ah, mais tu veux que je te lâche? Mais attendez, pas de soucis. Oui, lâche-moi. Je vais te lâcher. Hop. Alors, voilà. J'appuie sur ce petit bouton. Ça va te lâcher, tu vas voir, mon frérot. T'inquiète pas. Tu veux te lâcher? T'es lâché. Fais-moi sortir. Bon, voilà, les mecs, let's go, c'est bon. Je vais l'enfermer. Bon, maintenant, je vais pouvoir aller faire des trucs plutôt intéressants. Comme par exemple, aller tout simplement piller ses bases. Alors, il y a quoi dans sa maison? Oula. Ah ouais, c'est vraiment de mauvais goût, hein. C'est quoi cette maison horrible, en fait? Elle a rien de spécial. Ah oui, bon, elle est complètement explosée, mais bon, ça c'est de ma faute. Ah, en tout cas, elle est vraiment devenue très moche. Un peu comme toutes les autres maisons de la ville. C'est bon, maintenant c'est enfin devenu équitable. Et du côté de ses voitures, ça dit quoi? Bah attendez, je vais en voler plein. Oula, bon, déjà celle-là, elle prend du temps à se démarrer. Ça doit vraiment pas être une bonne voiture, hein. Je sais pas ce qu'elle transporte. On dirait les voitures qui transportent du ciment, là. Vous voyez lesquelles voitures je parle, les mecs? En tout cas, je vais pouvoir la ramener. Boum. Ensuite, cette voiture que j'avais volée tout à l'heure, bon, on va la ramener aussi. Oulala. Ah oui, je suis vraiment pas doué, les mecs, hein. Oulala, les mecs, c'est bon. Là, je crois avoir un peu fait cracher cette voiture. Elle marche plus. Elle veut plus démarrer, les mecs. Non, j'en ai cassé une autre. Bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir en démarrer une nouvelle. Ah, mais attendez, elle aussi, elle est cassée. J'arrive pas à la démarrer. Mais c'est quoi ces voitures pourries? Ok, du coup, bon, let's go, les mecs. C'est bon, je peux m'enfuir avec cette voiture. Il faut que je fasse très attention à pas la faire cracher, elle. Oh là là, en plus, regardez-moi ça. Il y a des petits problèmes sur la route. Il faut que je fasse gaffe. En tout cas, let's go. Je vais pouvoir la garer au premier étage. Ok, maintenant, je vais prendre elle. Let's go. Et bon, les mecs, c'est conduit comme ça. En fait, je vais avoir fini, hein. Bon, ok, les mecs, si dans les 10 prochaines secondes, on gagne 500 abonnés, je pourrais m'enfuir. Ok, donc merci à Jibril, merci à Micropixel. Vite. On gagne pas assez d'abonnés. Bon, ok, let's go, ça a marché. Je pourrais aller dans mon garage. Let's go, les mecs. Je vais pouvoir m'enfuir avec une nouvelle voiture encore une fois. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi juste en face de moi il y a le villageois? Oh non, il y a des pistolets. Je m'enfuis, c'est pas possible. Oh bon, les mecs, encore une fois, c'est une catastrophe. Bon, au moins, j'ai réussi à récupérer quelques voitures. Mais bon, il m'en manque encore un peu. Donc, bon, les mecs, c'est bon, j'ai une idée. Il me reste une dernière technique à utiliser. Comme vous pouvez le voir, juste là-bas dans la ville, il y a un petit magasin qui vend des burritos. Le problème, c'est que ces burritos-là, je vous déconseille de les manger. C'est un peu des catastrophes. Si tu les manges, tu peux risquer d'exploser à tout moment tellement c'est épicé. C'est pas bon, quoi, j'ai envie de vous dire, c'est dégueu. Mais bon, ça, le villageois, il le sait pas. Du coup, bon, je vais pas lui en offrir un. Donc, bon, les mecs, on va aller se rapprocher discrètement de lui. Et on va faire croire que je lui offre ça pour me faire pardonner. Sauf que, bon, en réalité, je m'en fous totalement. Oh, comment ça va, mon frérot? Qu'est-ce que tu veux, toi? T'as détruit ma maison. Frérot, je suis venu pour me faire pardonner. T'inquiète pas. Viens, on mange un bon burrito ensemble. Il est excellent. Attends, mais pourquoi toi t'as pas un burrito dans les mains? Toi t'as un truc qui ressemble à un steak. Ah non, mais ça c'est parce qu'il y en avait que un de burrito, je te le laisse. T'as vu comment je suis gentil? Franchement, je suis vraiment un bon. Tu vois, ils sont excellents, les burritos. Attends, mais toi tu dis que t'es quelqu'un de gentil, mais t'as quand même détruit ma maison. Mais c'est pour ça que je t'offre un burrito, sois logique. Un burrito va pas réparer toutes les voitures que tu m'as volées. Mais t'inquiète, ce burrito c'est comme la potion magique d'Astérix et même d'Obélix. Quand tu la manges, tu deviens super pouvoir, quoi. Tu viens super cheaté. Ah, merci, tu l'as enfin mangé. Alors, tu vois, c'était cool comme truc, un burrito, non? Ouais, j'ai de plus en plus mal à la tête. Tu vois flou? Mais non, tu vois pas flou. Pourquoi je te vois 4 fois? Ah, t'inquiète pas. Non, les mecs, je suis débile. Je suis mort dans l'explosion de burrito. J'ai pas réussi à voler toutes les voitures, j'ai trop le seum. Abonnez-vous pour que je me venge.